Dans la nuit de mardi, une violente tempête de neige a fait rage dans l'état de New York, bloquant plusieurs centaines d'automobilistes sur les routes. C'est l'une des pires tempêtes qu'ait connue l'État, pourtant habitué aux chutes de neige. Face à l'urgence de la situation, les autorités ont été contraintes de fermer l'accès à plusieurs routes. En ce moment, les États-Unis sont frappés par une vague de froid qui paralyse le pays. Les conditions climatiques ont déjà causé la mort de 4 personnes. Partout dans le pays, les températures sont descendues sous la barre du 0 degré, une situation inhabituelle pour un mois de novembre. L'état d'urgence a même été décrété dans la ville de Buffalo, à l'est de New York, qui a connu cette nuit des précipitations records. Il y est tombé près de 180 cm de neige. La tempête devrait continuer à s'abattre sur le pays jusqu'à au moins jeudi.